Et salut Squash, et bonjour internautatrice et internautateur, ici Galden pour les jeux du cygne. Comment vas-tu Squash? Je commence tout juste. J'allais faire une petite carte. Plein le Namino, aïe aïe aïe. Vous êtes persévérant là-dessus en tout cas. Alors, qu'est-ce que je vais choisir comme carte? Je vais en choisir une pas trop grosse quand même. Histoire d'avoir le temps de la finir, ce serait mieux. Alors, les 64 par celles-là, elles sont pas immenses quand même. Duel, Arléon, Baronnie de Lot. Je trouve ça dommage que dans ce jeu, il n'y ait pas assez de trucs en intermédiaire. Là, on passe directement de 78 à 123, et c'est pas du tout le même temps, la même durée de carte. Ça manque un peu d'intermédiaire. Et ça, je sais pas, j'aime pas trop le concept d'avoir comme ça des villes un peu dans tous les sens. Je trouve qu'en termes de gestion, c'est pareil. Oh, sinon, on va peut-être quand même tester celle ou duel. Alors, je vais faire duel. Je l'ai pas fait encore. Et je voulais jouer la baronnie de Lot. Donc, je serai là. Je vais être là. Alors, on va jouer la baronnie de Lot. Qu'est-ce que je vais jouer? Compétence, entraînement martial avec plus un des sens de l'ordre. C'est un drôle de mélange. Lui, c'est clairement un mago. Bourberie, je suis pas fan. Vol d'essence, je suis pas fan non plus. Wesh le revenant. Compétence magie de l'ordre, spécialisation magie des arcanes. C'est original. Allez, on peut partir sur du full. Plus d'engrais, c'est ne pas essayer du tout, mais surtout tu n'échoues qu'au moment où tu t'arrêtes d'essayer. C'est vrai. C'est très très vrai. Alors lui, plutôt équilibré, j'aime bien le fait d'avoir marche. Au début, résistance aux attaques à distance. Non, on va jouer full mort-vivant. Allez, ossement assujetti. On reste en paramètres standard, mais en difficulté 4 sur 7. Hop. Voyons voir ce que ce duel va nous réserver. Alors, je peux direct level up, et si je fais ça, soit je passe le Kraken, soit je recommence. C'est dans l'heure qui vient que je vais lancer le quoi. Ah. Je ne suis jamais allé à ce niveau-là. Là, j'ai du bois éventuellement que je peux aller récupérer. Donc, je vais faire un petit level up de ma ville. Je vais aller récupérer du bois et de la pierre pour faire le bâtiment de la crypte. Et alors là, j'ai le campement de. Enfin, la scierie. Je vais
Là, je peux recruter des rats. Ombre, vieille rune. Je vais aller récupérer le panneau. Là, j'ai un moulin à eau. Prisonnier en cage. Qu'est-ce que je vais trouver ici? Des assujettis. Coming. Le repère de bandits, c'est pas pour tout de suite. On va capturer ça. Ça fait des sous. Là, je vais aller récupérer d'autres assujettis au prochain tour. Les rats, j'aime pas trop, mais ça peut être. Ouais, en même temps, ça sert aussi de chair à canon. Hop. On va aller chercher. Hop, faire. Oh, ça devrait aller. Facile. J'ai pas du tout de troupes à distance là. Hop, combat rapide à mon avis. Je le dépouille. Oh, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. N'hésite pas à dire, Squash, comment se déroule ton combat contre le Kraken quand tu y seras. Je vais l'attendre. Qu'est-ce que je peux choper comme sort? La défense. J'ai quoi? Ah non, j'ai juste de l'essence de destruction. Non, je vais en avoir d'autres. Là, j'ai de l'ordre. Et là, j'ai quand même beaucoup d'essence de destruction. Ok. Je vais quand même accumuler un peu de magie. Hop. Ouais, ne serait-ce que pour ça, ça c'est bien. Ou ça. Ça c'est très bien aussi. Je vais même avoir une boule de feu, dis donc. Je fais combien? 50 de dégâts. J'en tue un de chaque. Parce que c'est vraiment intéressant. Parce que ça a beaucoup de défense. Ça a 16 de défense. Je peux lui mettre HS son. Ou j'attends encore un tour. De toute façon, je peux encore attendre encore un tour. Ah zut. Sauf que du coup, ils sont côte à côte. Hop. Bim. C'est pas très grave si ils se prennent des gays. Shtar. On avait dit que c'était de la chair à canon. Voilà. Ah zut, j'ai pas construit quoi que ce soit, quel con. Il y a bien un truc qu'il faut penser à faire, surtout en duel. Est-ce que je peux construire du moyen? Je peux faire le laboratoire. Alors les morts-vivants. Les morts-vivants, c'est. Les assujettis, les spectres, les ossements et les légions. Spectre, donc c'est là, c'est le mausolée qu'il faut que je fasse. J'ai besoin d'une crypte, j'ai besoin de pierre et d'ambre. De l'ambre, j'en ai là, mais j'en aurais pas 5.
Qu'est-ce que j'ai là? J'ai une minerai céleste. Là, j'ai de l'ambre. Qu'est-ce que tu dis, toi? Cornu, esprit des fées. Allez, ça se fait. Oh, oh, oh. Salut Glentaril, bienvenue sur le live. Ah oui, ça tapote quand même. Ça tapote très très fort, j'aurais peut-être pas dû. ça va, il va jusqu'où? Il va jusque là. Ouais, c'est les troupes qui vont très très vite là. Comment tu vas Glentaril? Reculer. Hop. Ah, très bien. J'aime quand ils se gênent mutuellement. Ah. C'est vers mes petits rats qu'il vient en premier. Est-ce que je suis à portée? Non, c'est un peu bête. Toujours un peu chaos le samedi matin. Ah, qui ne l'est pas. Oh, tiens, je peux presque finir les rats, tiens. Hop, allez. Enfin, les... là, eux vont jouer avant moi. Ça, je pourrais pas l'éviter. Ah. Bon, ça me va. Oui. Pète mes rats. Eux, c'est... Ils ont combien en défense? Moins 13. Wow. Interactif Berserk. C'est eux qui collent ça, là? Ouais, du coup, je fais plus 62 de dégâts. Bon, pas plus les petits rats. Tac. Mais c'est pas grave. Bim. Level up. Allez, plus d'attaque de mêlée. Plus d'XP, plus de déplacement. Alors, ici on a dit qu'il me fallait du bois, de la pierre. Des assujettis encore et toujours. Alors, où va être? Je vais remonter par là. Tac. Est-ce que je peux l'améliorer? Ça me coûte du tisse lune. Et ça, ça me coûte quoi? De l'ambre ancien aussi. Plus de. Pourquoi pas? Et pour level up le mausolée, il me faudra une carrière. Très bien, je l'ai. Laboratoire, c'est toujours bien le laboratoire. Mais... C'est des bonnes unités, les toxicologues.
petite mine d'or. Hop. 10% de résistance de l'attaque de mêlée, c'est cool ça. Essence des arcanes, pas forcément. Qu'est-ce que t'as? 3 ravageurs rampants. Allez, ça se tente. Ah, j'aurais dû répartir. Hop. Ça va le faire. Lui va être en hauteur, donc je vais rester en arrière. Je peux pas voir la hauteur. Hop. Ah si, j'aurais pu la voir, tant pis. Tu me l'offres sur un plateau d'argent, je vais pas dire non. Ah, dommage. Putain, le mec, il arrive à intimider des ossements, quoi. Il est balèze. J'ai failli en perdre un. Les chargements sont un peu lents, je crois. Hop. Et une petite mine d'or. Et ben, on va continuer, on va améliorer nos dégâts. Hein. Tisse lune, je prends. Ah, j'aurais pu. Non. Je garde mes cailloux. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? J'ai une mine d'or. AFK 2 secondes. Heureux, pardon. Alors, là, il y a du Tisse Lune. Qu'est-ce qu'il a? Ça s'aligne des brutes. Bon, c'est des petits nombres. Hop. On va aller chercher ça. Par contre, ça agit vite et ça tape fort. Si je vais dans le coin là-bas, là, il pourra m'en atteindre un. Zut. Je vais quand même le faire. Non, ça va.
On est des buffs. Allez, hop, très bien. C'est bon. La gestion de l'initiative est vraiment importante. J'aime bien ces... En fait, j'aime beaucoup l'early game dans beaucoup de jeux. Pour voilà, le petit côté un peu puzzle game. Essayer de faire du mieux possible avec pas grand chose. Je trouve ça toujours assez intéressant. Alors, j'ai mon toxico machin. Là, il me faut quoi? Il me faut 10 pierres. Dommage. Pour le faire évoluer, il me faudrait quoi? 15 bois. C'est presque. Hein. Ah, mais il me faut une scierie aussi. Eh ben, go scierie. Hop. Il est déjà là, lui. Oh la vache. Ok. Qu'est-ce que tu dis? T'as déjà des chevaliers. Watchy. Ah, et je peux pas aller. Ah, la loose. La grosse loose. Je peux pas aller me réapprisonner là. On va prendre les cultistes. Hein. Et puis là, bah, on va recruter des escouades pour se défendre du mieux qu'on peut. Si je fais ça, ouais. De toute façon, j'ai des sous, donc. Ok. C'était pas vraiment prévu comme ça, mais. Tour de garde, c'est toujours bien quand même. Hein. Là, je suis vénère quand même. Tu m'étonnes. Alors, là, celui-ci, je peux faire un petit checkpoint intéressant. Hop. En me mettant ici. Peut-être moyen que j'arrive à faire quelque chose. Ah, il est niveau 7, je suis niveau 4. Mais what the fuck? Putain, il a 7 chevaliers. Et ça... Bon, je vais prendre cher. Plus 20 de défense aux escouades de type humanoïde. Mais comment il fait pour avoir 7 chevaliers, le mec? Le problème, c'est que j'ai absolument pas assez d'unités, quoi. Mais il fait quoi, Horde Arcane? Il va me défoncer. Je sais même pas si... À mon avis, il one shot. Et quoi, il a 10 de déf... plus 10 de défense, ça lui fait combien en tout? Allô, la tout type. 48 de défense. 65 PV. Oh, il a pas beaucoup de... Oh non, ça devrait le faire. Et ça, je rajoute 10% de défense. Allez. Ah merde, j'aurais dû faire ça. Common Boy, hein. Ah mais lui, il accumule plus de magie que moi.
Horde chaos. Bah. Ouais, normal. Sinon j'avance là. Ah bah tiens. Si je commence à l'attaquer à coup de sort, peut-être que ça va pas lui plaire. Allez, viens. Cinquante pour cent d'attaque à distance. Non. Bah, écoute, ça va être long, hein, mais. Bim. Non, il vaut mieux que j'utilise le sort de destruction. Ça sera plus efficace. Ouais. Ce petit jeu-là, c'est toi qui vas perdre, Coco. Vas-y, charge. Hein. Charge. Si tu veux. Hop. Pas passionnant comme combat, je suis désolé. Le truc, c'est. Ouais, mais. Moi, je peux utiliser ça, mais... Ça fait quoi, ça? Plus 10 de défense, plus 10 d'attaque. Moi, ouais, c'est pas ouf, hein. Les escouades alliées, bon, ça affecte tout le monde, hein, mais... Ah. Tiens, un bot. Un petit bot qui s'invite. Intéressant à faire. J'attends de revoir mes 10 points de. Mes 10 points d'essence de la destruction. Et puis. Ah, ça fait quoi? Les squads à distance obtiennent plus d'une attaque. Jamais eu celui-là encore. Hop. Bim. L'important, oui, non mais complètement, hein, c'est juste que pour vous, c'est pas passionnant. Mais... Ça, j'ai jamais eu encore. Il y a... L'IA qui arrive pas du tout à gérer un combat comme ça, j'ai jamais eu. J'ai jamais eu aussi autant de d'un type de d'essence. Potentiellement, peut faire. Ça me coûte 8. 12, 12 et 8, 20, 24, j'ai besoin de 29. Comme j'ai 29 d'ordre, lui je l'envoie contre lui. Il n'y aura déjà plus personne. Alors ceci dit, je pourrais aussi utiliser plutôt ça. Hop, voilà, je viens en tuer deux. Hop, hop. Plus 10, tac. Ah, j'arrive pas tout à fait à le tuer. Mais c'est pas bien grave.
Hercule. Trop drôle. Bon, bah il a plus ses chevaliers et il va moins faire le malin maintenant. Est-ce que il m'a dépensé tout seul Ah ça, j'avais jamais eu encore. Ça m'arrange d'ailleurs moyennement. Voilà. Fallait que tu viennes. Alors, il diminue les dégâts à distance. Les dégâts. T'es pas bien sûr d'y arriver. Ah merde. C'est pas encore gagné quand même, hein. Avec ça, si. De toute façon. Hop, une petite marche et c'est bon. C'était long. Merci. Pas exactement de cette façon-là que j'aime, mais bon. Ah ouais, il avait des... Putain, mais je sais pas comment il a fait pour avoir autant de trucs aussi rapidement, quoi. Bien, récupérons quelques troupes. Ah mais si, si. Hop, et je récupère ce qui était en stock. Bien. Ah ben elle est là la mine de... Alors techniquement je pourrais le rush là. Hein. Est-ce que j'aurais intérêt à le faire ou pas? Pas sûr. Parce que le temps que j'arrive il se sera... Il sera sans doute un peu rechargé. Ah très bien, idée, je fixe. J'ai un petit level up là. Je vais prendre une escouade de plus. On va aller chasser cela. Hop, il fuit. Plus de ressources. Ici, ça me coûte 10 lunes, j'en gagne. Pierre, j'en gagne. Mine d'or encore. Je pense que ça va le faire. Élémentaire, mon cher Watson. Alors les éveillés, c'est des troupes qu'on récupère quand on tue des humains. C'est voilà, des zombies. Coucou le cygne. Tu viens de rater une bataille épique. Un peu longue, mais épique.
Si je fais ça, est-ce qu'il a porté? Oui. C'est bien les fléaux. J'ai des vraiment bonnes troupes. Toi, tu vas mourir, mais c'est pas grave. T'es là pour ça. Sauf que je joue avant lui. Donc, on va reculer. Hop. Ah merde, ils vont jusque là. Hop. Saleté. Ah merde, t'as planté ton Kraken, Squash? Là, je vais m'avancer de deux. Ah là là. C'est moche. C'est quoi la portée? Portée mortelle 3. Il faut que je me mette là. 1, 2, 3. Donc ça veut dire qu'il faut que lui, il se positionne là. Ce n'est qu'un incident. La question étant, existe-t-il une vraie victoire? Hop. Parce que finalement, est-ce que Battle Brothers peut vraiment se terminer un jour? Oui. Hop, là c'est quoi, c'est une crypte? Yes, plus de guerriers squelettes. Même ça, c'est vraiment une troupe que tu peux sans problème avoir en plusieurs. C'est tellement costaud. C'est à la fois costaud. Un autre dépôt de pierre ici. Je peux pas faire mon level up ici, ce serait bien pourtant. 10 bois. Hop. Plus super. 3 tours, moins 200 PO. Formidable. Pour moi, vaincre la Kraken n'est pas impossible, mais la contrainte de temps m'oblige à l'affronter alors que je ne suis pas vraiment prêt. Ah, c'est cool. D'accord, il y a une contrainte supplémentaire. Bricoleur mousquetaire, merde. C'est quoi la contrainte de temps, c'est quoi? Fin de la deuxième crise, d'accord. Alors, autant les ingénieurs, je les crains pas du tout, autant les mousquetaires, ça va être un peu chiant. En plus, le terrain s'y prête pas super. Hop, si je vais là. Oh. Si je vais là. Ouais. Bim. Ah, même Xebus a arrêté? Alors, eux peuvent rien faire à ce tour-ci.
Oh merde, plus de nouvelles. Et hop, c'est fini. Plus de nouvelles sur le Lenamino ou plus de nouvelles du tout? Ah, tu me rassures. Parce qu'il me semble bien qu'il a envoyé quand même quelques messages sur Discord depuis, en tout cas. Allez, on va observer notre adversaire. Ah, il y a un village au centre. Ça peut valoir le coup d'aller chercher. D'accord, il stream pas. J'ai plein de cailloux, mais j'ai pas. Ah, il me manque de l'or là. Oh, putain, il me manque de l'or, il me fait. Hop, voilà, les pleutres. Hop, j'aime bien comme il change le terrain dès qu'on se retrouve à modifier le propriétaire. Et ben on va s'en faire des sous. On va se faire un sou là. Ah, ça peut même être une grande colonie. C'est une grande colonie en fait. Là, celle-ci, on va la passer. Niveau 2, niveau 3. Il me permet d'aller. Ah, mais sauf que j'ai plus de sous. Bon, ceci dit, je peux en récupérer par là des sous. Il y a tellement de ressources à choper. Alors, ici, donc on va enfin pouvoir recruter un autre. Celle-ci, j'aime bien parce qu'elle a taxe qui fait qu'elle génère des sous par elle-même et qu'on peut faire level up aussi. Est-ce que je peux construire mon mausolée? Oui, je le peux. Ça aussi, c'est cool. Hop. 6 lunes. Comme j'en génère. Là, je vais prendre des sous. Toc. Ensuite. Niveau 7. Plus une riposte, ça c'est cool aussi. Bim. Pillons la taverne. Alors, il est ici le vilain. Ah, là il est pas confiant. Il retourne se planquer. Est-ce que j'ai de quoi aller le chercher? Bim, j'ai complètement de quoi aller le chercher. Allez, combat rapide. Bim. Il a quoi? Il a pierre et taverne. Convertir. On va le convertir pendant 2 tours. Des sous. Plus de taxes. Je vais quand même récupérer ça. J'aime bien savoir un peu s'il arrive.
Ah, il revient. Alors, il revient. Qu'est-ce qu'il a comme troupe? Esprit fake. Waouh. Waouh. Mais comment il fait pour avoir autant de monde? Déjà, c'est... C'est ouf. Hop, allez, 500 PO par tour, c'est toujours ça de prix. Cinq ombres anciens, je les ai. Et on fait level up. Là, j'ai pas fait level up. Cinq ombres anciens aussi. Ouais, alors je l'ai déjà vaincu une fois, mais il est encore plus vénère, quoi. Qu'est-ce que je vais améliorer? Les sénéchaux, c'est quand même vraiment costaud. Il manque de l'ambre, encore une fois, mais j'en génère pas de l'ambre. Et encore du bois ici, il y a plein de mines. Ben on verra ce que ça va donner. Hein. Là, je pourrais peut-être l'améliorer aussi. Tac. Plus de sous par tour contre des bois et du tisselune, c'est pas un souci. Ah, Siri, ça cogne quand même. Hein. Ah, il fait demi-tour. Ah non, il fait pas demi-tour. Alors, toxicologue ici, ceux-là, ils vont faire très très mal. Eux, ils vont servir de char à canon. Je vais le monter là. Ils vont faire très très mal, mais ils sont quand même que 9. 13 fées. Oh. Tac. Lui, je le monte là. Hop, allez. Ah bah non, c'est 13 fées, c'est bon. Effectivement, ces fées ne me font pas peur. Je m'en fous. Lui, seul contre tous. Lui, il a fait déjà tirer ses deux. Bim. Allez. Hey, j'ai deux ripostes, mec. J'ai deux ripostes. Ah, toi, tu m'en tues un, toi, je t'en tue 20. Bon, en fait, si je le défonce. C'est même un massacre, en fait. Hop, ça fait mal le poison. Hop. Ah, par contre, je vais pas pouvoir l'attaquer deux fois. Ça, c'est un peu chagrin. Si. Avec ça. Ah non, toujours pas. Merde. Dommage. Tac. Tac, tac. Et tac. Bon, c'était un massacre. Oui, il s'est bien planqué derrière ses fougères. Mais bloquer une carte, ouais, je pensais que ce serait plus compliqué que ça. Bah, ceci dit, la protection du village est intéressante hein, dans ce cas-là. Le fait d'avoir pu mettre, d'avoir directement mes tireurs tout en hauteur, la gestion de l'élévation est quand même vraiment importante dans ce jeu. Elle change vraiment les choses.
Alors, j'ai un truc d'échange, yes. Comme j'ai des sous, je vais pouvoir m'acheter ça. Et il faut que je m'achète de l'ambre ancien en 5 fois. Donc là, je vais faire sauter ma carrière pour faire le bâtiment. Oh, ça c'est très 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 bien. Très 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 bien. Même. Hop. Je peux améliorer mes. Non, ça, très clairement, je peux le détruire. Sauf que du coup. Ah bah si, du coup, je peux faire le point de ralliement. Ça, c'est vraiment un bon truc, le point de ralliement. Qui va me permettre de recruter, sauf que. En même temps. Est vraiment grave. Parce qu'en fait. Oh, si je vais attendre un petit tour comme. Je vais attendre un petit tour, je vais recruter encore quelques troupes. Donne-moi des sous. Donne-moi des sous. Où est-ce que je peux avoir encore d'autres sous? Pas 50 000 endroits. Ah, quand même. C'est mieux. Plus 900 sous comme ça. Cadeau. Tac. Donne-moi des sous. Donne-moi des sous. Toujours plus de sous. Salut le contamine. Comment vas-tu? Hop, hop. Et je peux améliorer encore. Alors, je peux regrouper ces deux-là. Hop. Et m'acheter les sénéchaux, par exemple. Alors, ça fait de la magie. Donc, ils ont fertilité. Ouais, ça fait plus de magie, ça. Hop, allez. Les sénéchaux, c'est des trucs qui vont vite. Alors, où est-ce qu'il va être? Par où est-ce qu'il est passé? Il est passé par là. Hop. Voilà sa ville qui est niveau 3 aussi. Et boum. Et c'est GG. Hop, on occupe ça. Alors, niveau 9. Ah oui, j'ai passé mon niveau 9 et je l'ai pas repéré. Mon niveau 8, pardon. Alors, très clairement, c'est mieux. Et sans des arcanes. Les arcanes, c'est. C'est celle-ci. Allez. On en génère des arcanes. Tac. Elisa Armonde. Hop. Voilà, on va le jouer. Pour que je vous montre les sénéchaux. Ah, il a quand même. Bon, il a pas grand-chose. Et ces troupes-là, déjà la troupe de base est tanky, mais alors quand en plus tu arrives à la faire évoluer, ça devient juste pas normal. Parce qu'ils ont ça, cette compétence-là qui leur donne plus 25 de défense et de résistance au. Ça leur fait 69 de défense. Salut Aurélien Matou, bienvenue sur le live.
Bon, je vais aller là. Et hop. Et mes sénéchaux, les termine. Ça fait beaucoup de dégâts, les sénéchaux. Ça fait beaucoup de dégâts. Ah ouais, déplacer les squads ennemis. Ah, c'est maximum de deux cases. C'est pas ouf encore. T'as beaucoup trop de magie là, je trouve. Tac. Ouais, c'est bon, je peux le toucher. Badadadum. Allez, continue de l'empêcher de jouer. Sauf qu'il faut pas que je me body block. Et boum. Le perso voleur de mana. Qu'est-ce que t'appelles voleur de mana? C'est le. Ah, celui qui fait. Attends, il faut que je. On va regarder. Hop. C'est lequel? C'est celui-là. Vol d'essence, lorsqu'une escouade ennemie est tuée, vous obtenez sa dernière charge d'essence. Plus une fois l'essence des escouades. Ouais. Je sais pas, ça me. J'ai jamais testé. Donc tu m'intrigues. Allez, on termine. Tac. Quelques cornues. Mais le double niveau 2, le triple niveau 3. Donc ça te permet de lancer plein de sorts très très vite. Et voilà. GG, well played. Ah, il était vraiment costaud, hein. Je sais pas comment il a fait pour se développer aussi vite. GG again. Merci.